Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour la radio, la CS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Puissance Max. Bon, ben pour notre début de semaine, meilleur coup de pas. Personnellement, je n'avais pas la bonne solution du 4. Et oui, quand vous avez vu, à part le 12, le 2e, 3e, 4e et 5e, ben, ceux qui ont quelque chose, ben, félicitations à eux, parce que personnellement... C'est une arrivée qui sort de nulle part. Alors, si le PMU, il veut commencer à perdre des gens, qui commencent, hein, donc attention, et on n'est qu'au début du betting. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je sais qu'il y a des chevaux qui sont pas encore au top, 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 mais quand même, au départ de cette course, on avait quand même quelques bonnes bases, quelques chevaux avec qui travailler. Et puis, bah, là, voilà, c'est ce que je vous dis, je me répète toujours. On fait la sélection, et en fait, c'est pas facile du tout à faire, mais je me tiendrai à cette politique jusqu'à la fin de l'année. Et après, on n'est pas dans la tête des chevaux, hein. Donc, voilà, un jour sans, bah, les chevaux sont comme nous, ils ont de temps en temps un coup de moins bien. Voilà. On va oublier cette journée, hein, les amis. Je sais de quoi je parle. Pour notre mardi 8 novembre, notre KT aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau, Réunion 1, course 4, au départ 13h45, 16 au départ, distance 1400 mètres. Alors là, j'ai fait un pronostic avec mon premier et mon dernier. Attention, attention, c'est un pronostic en 7 qui va piquer, je l'espère. N'est-ce pas? La fin de l'année n'est pas encore finie, mais bon. Alors, j'ai placé en tête de ma sélection un cheval qui ne sera pas le cheval de tout le monde aussi haut. Ce sera le 6 Passalito, mon cheval du jour pour ce KT. Je tente un très gros coup de poker en tête de ma sélection, mais c'est un cheval régulier, devrait très très bien courir. C'est vrai que je l'ai mis en cheval du jour. Dans le KT, j'y crois vraiment beaucoup. Voilà. Je lui oppose bien sûr le 8 Galor que j'aurais pu mettre en cheval du jour, mais je l'ai mis en deuxième base. Lui aussi est très bien en ce moment et c'est mon opposition directe à mon cheval du jour parce que ce cheval, le 8, 4e, 4e, 3e, 3e, 4e. Donc voilà, c'est la régularité. Tout comme le 9 Fast and Wave. Voilà. Le 8 et le 9, ce sont deux très bons points d'appui. Le 6, c'est surtout pour une grosse cote. Lui aussi, le 9, c'est aussi une très bonne chance pour une très belle place. Et que dire du 3, Master Boy avec son jockey du jour sera mon très 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 joli coup de cœur. Donc, mes 4 bases pour notre KT, encore une fois, je me répète, très difficile à trouver. Restez prudents, mes amis. Le 6, le 8, le 9 et le 3. Le 2, Dragon de Please, peut venir prendre une place. Le 7, King Rob, mon coup de folie. Et là, c'est ce que je disais au début de ma vidéo. Je termine par un cheval que je ne vois pas malheureusement beaucoup dans une sélection. Mais en ce moment, on ne sait jamais. Hein. Soit dimanche, c'est une arrivée de favori avec le plat. Et aujourd'hui, c'est une arrivée, entre guillemets, de poker. Donc, à part le 12. Ah bah tiens, justement, le 12. Rapido Presto sera mon très très gros coup de poker. Attention à lui, mes amis, je pense que lui, il peut faire un truc. On ne sait jamais. En cas de non partant, le 1 qui sera mon très très gros regret. Je sais que maintenant, mes auditeurs et mes abonnés, ils aiment bien savoir le 8e cheval que je mets en complément. Vu qu'avant, je faisais en 8, maintenant, je suis en 7. Et je suis l'une des seules chaînes YouTube à la faire en 7, mes amis. Et oui. Mon cheval du jour, le 6. Mes deux belles bases, le 6 et le 8. Mon très joli coup de cœur, le 3, mon coup de poker, mon folie, pardon, le 7, et mon très gros coup de poker, le 12. Mais 2 sur 4, le 6, le 8 et le 9, mes couplets gagnants passés, le 6, le 8, le 9 et le 3. Je répète ma sélection, le 6, le 8, le 9, le 3, le 2, le 7 et le 12. Voilà, c'est terminé pour notre pronostic pour notre mardi. Encore une fois, un KT très, 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 très difficile à trouver. Restez prudent. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Un petit tour sur mes autres liens partenaires, bien sûr. Toujours très, très important. Par contre, une petite annonce. Hein, si vous connaissez des radios qui n'ont pas encore de pronostiqueurs épiques, hein, vous me donnez leur adresse, puis je les contacte. Hein, petite parenthèse. Allez, sur ce, mes amis, merci pour les commentaires épiques que je reçois sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis demain pour de nouvelles aventures avec le squad, l'ensoi, le pharaon, déco.